Philippe Torreton, ça vous dit évidemment quelque chose. 10 ans de comédie française, César du meilleur acteur en 1997 pour son rôle dans le film de Bertrand Tavernier, Capitaine Conan. Il a écrit un livre, précipitez-vous si vous êtes amoureux du théâtre, puisque ça s'appelle Petit lexique amoureux du théâtre, justement, ça tombe bien. Et lui est un vrai amoureux de théâtre. Et c'est comme un dictionnaire, un petit lexique, ça se déguste, voilà, par petites bouchées gourmandes. C'est comme des amuse-bouches. Vous grappillez des infos. Par exemple, vous savez tous qu'on dit merde, qu'on se dit merde entre acteurs quand il y a une générale, une représentation importante. Mais pourquoi on dit merde? Eh bien, en fait, c'est parce que au temps lointain où les voitures étaient tractées par des chevaux, plus il y avait de crottins devant les théâtres, plus évidemment le succès était important et le mot est resté. Donc moi je trouve ça assez sympathique de le savoir, ça peut permettre de briller dans les dîners. J'aime particulièrement aussi le texte sur le festival d'Avignon et je ne résiste pas à vous en lire parce que vous savez, moi j'aime bien le théâtre classique, je râle toujours contre les metteurs en scène qui s'identifient encore plus au texte que les auteurs, qui croient avoir mieux compris le texte que les auteurs eux-mêmes. Et je me sentais un peu seule, vous voyez, je me sentais un petit peu la sœur d'Éric Zemmour, mais en plus teigneuse, quand je râlais. Eh ben non, Philippe Torreton nous dit par exemple que Jean Vilar poussait le bouchon du populisme jusqu'à faire en sorte que les spectateurs comprennent les spectacles et ressortent avec une certaine idée de ce que voulait dire l'auteur. Donc ça, je trouve que c'est génial. Et alors, quand il parle des spectacles actuels du Festival d'Avignon, qui sont quand même de gros foutages de gueule la plupart du temps, il nous dit par exemple, si un danseur veut pisser, il n'est plus obligé de prendre ses précautions. Comme du temps de Papy Villard, il a le droit de le faire sur scène, gain de temps énorme et le public adore. Voilà, donc moi je trouve qu'un acteur quand même aussi énorme que Philippe Torreton et qui déglingue le Festival d'Avignon comme ça, c'est quand même assez jouissif. Et alors ça me permet justement de finir en vous disant qu'il m'est arrivé un truc dingue. L'autre jour, j'ai été voir un spectacle où on comprenait tout, où les acteurs ne se couchaient pas, ne se roulaient pas par terre, où, comme la pièce s'appelle quand même Les Femmes Savantes d'un certain Molière, les acteurs étaient en costume d'époque, c'est-à-dire qu'ils n'étaient pas en smoking parce qu'on ne sait pas pourquoi, mais c'est comme ça. Voilà, c'était un spectacle normal. Les Femmes Savantes, c'est au Petit Théâtre de Paris jusqu'au 17 janvier. Et alors, la cerise sur le gâteau, c'est Jean-Laurent Cochet. Alors, pour ceux qui le connaissent, Jean-Laurent Cochet, c'est le professeur de Gérard Depardieu, de Fabrice Luchini, de Jean Sarkozy, chercher l'erreur, mais c'est vrai, il a été professeur de Jean Sarkozy qui voulait être comédien. Et en fait, il interprète le rôle de Philaminte, donc un rôle de femme, et c'est un régal le voir faire ses petites mines. Alors c'est énorme, hein, parce que Jean-Laurent Cochet, c'est à peu près deux fois Maïté, vous voyez. Et quand on le voit débouler avec ses petites anglaises, c'est vraiment un régal, et c'est un acteur magistral. Et c'est un spectacle monté par un jeune de 25 ans, Arnaud Denis, un metteur en scène, qui ne pense qu'au plaisir du spectateur et qui ne veut pas se mettre à la place de l'auteur. Et voilà, et donc je suis sûre que Philippe Torreton adore ce spectacle. Et vous allez adorer le livre de Philippe Torreton, Petit lexique amoureux du théâtre. Et c'est chez Stock.